Nous entamons à présent le processus de réparation et la question habituelle se pose. Par où allons-nous commencer? Quel que soit le problème qui se pose, que faire en premier et pourquoi? La réponse est simple. Nous étudions la carte, nous analysons soigneusement son état et sa structure. C'est l'opération que nous appelons lecture de la carte et qui consiste principalement à se poser une série de questions et à y répondre. Nous lisons une carte comme s'il s'agissait des pages d'un livre contenant tous les détails dont nous allons avoir besoin avant de commencer. De quel type de carte s'agit-il? Est-elle en résine époxy, en céramique, en millard? Quel type de circuit porte-t-elle? Est-elle à simple ou double face? Si la carte est enrobée d'un film protecteur, de quelle sorte de produit s'agit-il? La pellicule est-elle épaisse ou mince, dure ou tendre? Comment se présentent les joints de soudure? Sont-ils rapprochés? Quel est le jeu entre les trous et les pattes? La carte a-t-elle été endommagée? Présente-t-elle des points de brûlure ou peut-être des résistances cassées? Avant même de commencer le démontage de la carte, nous devons identifier toutes les matières de base qui la composent et voir comment elles ont été assemblées. Commençons donc par le matériau principal, qui porte parfois le nom de substrat. Celui-ci en particulier est un stratifié d'époxy et de fibres de verre. Si l'on place une lampe derrière la carte, on peut en distinguer le tissage. Il existe plusieurs types de substrats, dont l'utilisation dépend des applications. Les substrats de couleur brune, comme ceux-ci, sont en stratifié de coton ou de papier imprégné de résine phénolique. Ils sont peu coûteux et on les emploie pour des applications à température modérée. Ils ne sont pas aussi rigides que le verre époxy. Celui-ci est conçu pour supporter des températures très élevées. Il est en céramique. Ce type de substrat est généralement d'aspect blanc, clair ou brun. La plupart des cartes sont rigides et conçues pour conserver leurs formes initiales, mais certaines d'entre elles sont composées à dessein de matières minces et souples comme celle-ci. On peut alors les former pour qu'elles puissent s'adapter à l'espace disponible. La raison pour laquelle il est important de reconnaître le type de carte auxquels vous êtes confrontés et que vous savez ainsi quelles en sont les limites thermiques et mécaniques. Un fer brûlant appliqué sur cette carte en céramique ne causera probablement aucun dommage, mais appliquez-le sur un circuit souple en millard par exemple et celui-ci sera immédiatement percé de part en part par la brûlure. Le deuxième élément principal d'une carte de circuit imprimé est le circuit lui-même. Il se compose d'une pellicule conductrice, généralement en cuivre, qui a été appliquée sur le matériau support. On entend souvent parler de cuivre 1 once ou 2 onces. Il s'agit tout simplement d'un poids de cuivre déposé sur un pied carré. En français, le cuivre 1 once a une épaisseur de 35 microns, le cuivre 2 onces a une épaisseur de 70 microns. La tendance est à l'utilisation de cuivre de plus en plus mince. Sur les cartes multicouches actuelles, on peut trouver du cuivre demi-once dont l'épaisseur n'est que 17 microns. Il est important de remarquer dans tous les cas l'extrême minceur du cuivre comparé à l'épaisseur de la carte en elle-même. Il faut très peu de chaleur et de pression pour séparer la pellicule de cuivre de son support. Le circuit se compose de conducteurs, parfois appelés pistes, de dépôts conducteurs ou pastilles, de plans de masse ou de tension, et de radiateurs ainsi appelés parce que leur masse importante permet de dissiper la chaleur. Les plans de masse et de tension font également office de dissipateurs thermiques. Regardons maintenant de plus près les trous percés dans la carte. Voici une carte simple face. Le circuit n'est imprimé que sur un côté et les trous la traversent, mais aucune liaison électrique n'est effectuée d'une face à l'autre. Sur cette carte double face, les trous ont été garnis de cuivre de façon à relier électriquement les deux côtés. Ces trous sont dits métallisés, renforcés et portent le nom de traversée. Une autre méthode de renforcement ou de fabrication de traversée consiste à introduire un œillet droit ou un œillet conique dans le trou. Ces œillets sont habituellement en cuivre et revêtus d'étain plomb ou d'étain pur. Le besoin de placer des circuits de plus en plus denses dans un espace de plus en plus réduit a conduit à la mise au point de cartes multicouches. Elles ressemblent à des cartes double face, mais une ou plusieurs couches de circuits supplémentaires sont prises en sandwich à l'intérieur. Ce sont les trous métallisés qui effectuent la jonction avec les couches internes
en certains points de ses couches internes, mais pas partout. Et il est essentiel de connaître cette caractéristique lorsque l'on dessoude un composant dans des circuits multicouches. Les couches internes peuvent se comporter en radiateur, absorbant une telle quantité de la chaleur que vous appliquez à la pastille que le joint ne fond jamais sur toute l'épaisseur. Par contre, une chaleur excessive peut endommager une couche interne ou provoquer une discontinuité, bien souvent sans aucun signe extérieur d'avarie. Aussi, la chauffe est-elle une opération délicate sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir au cours de la leçon sur la dépose des composants. Les composants eux-mêmes couvrent un large éventail de produits, mais on peut les classer en catégorie générale selon leurs fonctions. Résistance, condensateur, diode, transistor et circuit intégré. Les sorties de composants peuvent avoir des extrémités de 6 formes différentes. Voici la patte droite, ou non retournée. Elle est la plus facile à retirer car elle n'est pas tordue de l'autre côté du trou. La patte retournée, habituellement employée pour immobiliser le composant afin qu'il ne puisse bouger en cours de soudage. La patte semi-retournée est utilisée dans le même but, mais il est plus facile de la redresser pour la retirer. Voici la patte écrasée. Ce traitement augmente sa largeur et permet de maintenir le composant en place. Il n'est pas aisé de la retirer. Le montage superficiel ou planar s'applique aux composants tels que les boîtiers plats, flat pack. Les pattes sont soudées en surface aux pastilles et ne traversent pas la carte. Une variante de ce montage porte le nom de montage offset. La patte traverse le trou et est soudée à une pastille décentrée de l'autre côté de la carte. Nous connaissons donc à présent un certain nombre d'observations à effectuer au cours de l'analyse d'une carte, car ces données vont affecter notre stratégie d'appréhension du problème posé par la réparation. Regardez ces deux cartes. Quelle est la différence qui vous frappe? Il semble plus facile de travailler sur celle-ci, et c'est probablement vrai. Les composants sont très espacés et faciles d'accès. Nous pouvons dire que la carte est équipée selon une faible densité. Celle-ci est toute différente. Les pistes sont beaucoup plus étroites et plus rapprochées. Les jeux internes dans les trous sont plus serrés et certains composants sont si rapprochés qu'ils sont virtuellement inaccessibles. Les cartes à densité élevée de ce type exigent fréquemment que vous les démontiez en partie pour accéder aux composants que vous voulez remplacer. Vous devez tout d'abord littéralement déséquiper la carte et la refabriquer à l'aide de pièces de rechange. Enfin, il peut advenir que la carte ait été enrobée, recouverte d'une couche mince ou épaisse, d'un produit de protection, de tropicalisation. L'enlèvement de l'enrobage peut poser un problème de réparation important. Aussi lui consacrerons-nous ultérieurement une leçon complète. Comment identifier les différents types de films protecteurs que vous êtes susceptible de rencontrer et quelles méthodes utiliser pour les éliminer. Nous allons étudier tous ces sujets en détail au fur et à mesure de notre progression. Mais ce dont il faut se souvenir dès à présent est que la première étape de toute opération de dépannage est d'étudier la carte, d'analyser très soigneusement ce que vous avez devant vous, de lire la carte. Supposons par exemple que nous soit confiée une carte comme celle-ci. Un boîtier DIP est défectueux et une personne inexpérimentée a essayé de l'arracher et vous a laissé avec le résultat. Que pouvons-nous dire du problème posé par cette réparation? Simplement en observant la carte. Le circuit est endommagé, plusieurs pastilles sont décollées. De quel type de carte s'agit-il? C'est un double face. La densité de composants est moyenne, aussi les joints sont-ils facilement accessibles. À quel type de support de trous et de masse thermique sommes-nous confrontés? Tous les trous sont métallisés, mais celui-ci, qui est relié à un plan de masse de grande dimension, devra être porté à plus haute température que les autres joints. Et à propos de l'enrobage, la carte n'en porte pas, donc nous pourrons sauter cette phase du processus de dépannage. En ce qui concerne le matériau support, c'est du verre époxy, par conséquent sa résistance à la chaleur est relativement élevée. Et quels sont les types de joints de soudure utilisés? Deux pattes de coin ont été partiellement retournées. Nous devrons les redresser en cours de dessoudage. Les questions et les réponses s'accumulent au fur et à mesure de la lecture de la carte. C'est la première étape essentielle dans le processus de réparation. Sous la conduite de votre instructeur, vous allez procéder à une révision des sujets que nous venons d'étudier et porter dans la partie notes de votre manuel des indications sur les spécifications, les normes et les pratiques particulières à votre entreprise. Nous passerons ensuite à la leçon suivante, méthode de dépose des composants.